Salut à tous, ravi donc de vous retrouver pour cette nouvelle étape de mon championnat avec, donc sur cette première saison, ce projet de Cars, et donc ce fameux troisième épisode, donc changement de registre, et pour une première, ça sera aussi une première pour moi, c'est à Brno, donc en République tchèque, circuit bien entendu plus connu pour les fans de deux roues, puisque c'est l'étape, une des étapes du championnat du monde de MotoGP. Et c'est vrai que pour nous amateurs de quatre roues, c'est vrai que c'est un peu moins un circuit un peu moins connu. Et donc c'est là que se déroule donc la cinquième étape de mon championnat. Donc toujours pareil, hein, je commente en live et ça va être une première pour moi puisque je ne connais pas ce circuit. J'ai augmenté la difficulté de 20% supplémentaire ainsi que j'ai augmenté aussi les durées. Donc, hein, que vous m'avez demandé, ça a été fait. Comme je vous avais dit, c'était des petits réglages, tout ça. C'était des petits réglages qui sont mis en place. Donc l'épreuve monégasque, hein, que vous avez vu, même si la difficulté n'était pas au top, mais très très sympathique. Donc l'IA, hein, comme je vous l'ai dit, là est à 70 pour l'instant. On va voir si je l'augmente encore un tout petit peu selon comment ça se passe, on verra. On sait qu'à partir de 80, elle est bien meilleure. Donc à voir. C'est selon mon évolution de ma conduite. Alors, circuit que je découvre. Regarder les caractéristiques. Assez vallonné a priori. Se prête un peu plus, c'est vrai, à des études d'endurance que Monaco. C'est assez étrange ces pneus aussi là, à l'intérieur de virage. Et allez, on va essayer de chasser un chrono pendant ces essais libres donc. En s'habituant au circuit, à ce très beau tracé. Là, je connais encore pas les temps de freinage. Je perds assez pas mal de temps là, sur les différents temps de freinage du circuit de ces premiers virages. C'est moi qui fais ça. Ça descend vachement, ça remonte énormément, ça me fait cette descente me fait un peu penser à Spa en cachant. Quand on redescend sur blanchiment. Vous l'avez vu, la trajectoire qui vous indique un temps de freinage vraiment très très tôt, hein. Et surtout pas respecté. Comme ici par exemple, je freine bien 100 mètres plus tard. Ouais, c'est un peu à l'aveugle. On ne tire pas non plus. Vous savez, dans le projet de carte, tout contact dans l'herbe et le temps est invalidé. Je fais P2 pour l'instant. Mon tour de découverte rapide. L'IA a été renforcée un tout petit peu, je le répète. Thank you.
que je suis en retard parce que j'ai passé le secteur 1. Et je dois être en retard sur mon temps. Là, je loupe mon freinage. Un tout petit peu trop tard. Petite dérobade du train arrière. Un peu tard ici aussi. Faire un peu la corde. Tracé qui est somme toute assez long, donc je sais pas combien de kilomètres il fait, mais c'est des temps, alors que là j'améliore mon chrono. Parce que les temps sont relativement longs, quasiment 2 minutes. Ça tourne énormément aussi. Je me suis fait avoir tout à l'heure. J'ai encore freiné un tout petit peu trop tôt. Et ça fait P1. Très beau circuit en tout cas. Je commence à prendre pas mal de plaisir. Assez intéressant. Pas mal de zones de freinage aussi pour faire de beaux dépassements. Le secteur 1. Donc là, je prends une sortie du départ. Il faut trouver ses marques. Hein. Il ne doit pas être évident en bécane ce circuit. Aïe! Ah bah alors celle-là elle est bonne. Le moteur a cassé. Excellent. Je suis peut-être allé un peu fort avec la voiture aussi. Pendant ces deux premiers tours, j'ai attaqué un peu. Tapé dans le moteur peut-être un peu trop. Fin de séance pour nous donc. Et ça va s'arrêter là. Moteur cassé, alors que j'étais en amélioration dans mes secteurs, rien de bien méchant. On va revenir au stand. Donc, ouais, voilà, vous les voyez en bas les temps, ils se sont un peu resserrés, c'est pas mal. Hein. C'est vrai qu'on avait des grosses marges depuis que j'avais commencé, puis là, ça s'est un peu bien diminué sur le second avec la même voiture que moi, donc puisqu'il est à 800 centièmes derrière. Bon, après, ça reste assez élevé, je pense que. On va voir en course, mais 10% supplémentaires me semble pas mal. Et donc, ça me fait un 15e temps, hein, vous le voyez. Pourquoi 15e temps? Comment ça se fait que lui, il a pris 23 secondes? Là, il y a eu un bug, à mon avis. Il y a un petit souci. 23 secondes sur le deuxième. Il s'est passé quelque chose, donc tout le monde a amélioré, vous l'avez vu. Donc ça me fait quand même une 15e place. Les chronos sont assez serrés, donc j'ai amélioré, je pense que c'est possible. Quoique, il y en a un qui nous a collé 4 secondes. Où suis-je? Une 54-552, même si j'étais en amélioration, par rapport au deuxième, c'est assez costaud quand même. Hein. Donc on va continuer vers les qualifications. Donc ça s'annonce pas mal, hein, vous l'avez vu. Un peu plus de piquant. J'aurais bien aimé encore un tout petit peu plus tourner parce que tout simplement avant que le moteur explose. Et 10 minutes de séance, il faut y aller. On va tout sortir en même temps, hein, comme d'hab. Parce qu'on dirait qu'il va pleuvoir. Une 27, je pense qu'il y a eu un petit souci.
peut-être dû à ma casse moteur aussi. Ou alors il a coupé tous les virages, c'est pas possible. J'ai laissé un tout petit peu de marge avec le véhicule de devant. Les pneus qui sont déjà en bonne température. Pas trop poser de problème. Pas mal de freinage en appui, assez délicat à gérer. Allez, on va laisser la marge. C'est ici qu'il faut que je vois, là, je pense que freiner ici au bureau, ça me semble pas mal. Alors, on va laisser les voitures de devant y aller. Et on envoie les gaz et on va se lancer pour notre premier tour chrono. Je vais freiner trop tôt. Très bien. J'ai perdu beaucoup de temps dans ce premier virage déjà. Ça va être un mauvais secteur 1, je pense, pour ma part. Aussi, je pense que j'appuie un tout petit peu trop tôt et là je fais une petite erreur. Donc, si j'avais battu le record du segment 1, temps annulé, j'y suis allé un peu trop fort. Allez, on va se ressaisir. On va essayer de garder le rythme pour s'appliquer, pour tout ce qui est temps de freinage et tout ça. Qui nous dit que c'était les meilleurs aussi qui étaient là? Malgré ce secteur 1 qui a priori était intéressant, je pense qu'il n'aurait pas tenu le coup bien longtemps. Petite erreur, hein. Encore une fois, je suis monté sur le vibreur, hein. en mode F1. Ça n'a vraisemblablement pas suffi. Encore une fois, me laisser de la marge avec mes deux compères qui me précèdent. Et allez, on va lancer. J'espère qu'ils vont pas trop ralentir et me gêner. Chose que je crains aussi. Allez, c'est parti, on va lancer le chrono. Derrière, a priori, dans la note, il y en a pas mal qui battent le record du tour. Mon secteur 1 à moi. Ça continue à attaquer, donc c'est bon pour moi. J'espère qu'il va pas me gêner. Je me rapproche ni de rien dangereusement de lui et. Un peu. Je vais éviter l'accrochage là.
me donner son inspiration. Mais le problème, c'est que je sais pas où il freine. Hein, c'est... Aïe, 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 j'en étais sûr que ça me... Il a freiné un peu au dernier moment et c'est vrai que ça passe un peu bizarrement. Record du tour, c'est un très bon temps. Et je vais essayer d'améliorer encore un peu parce que j'étais gêné par donc ce pilote sur le GR18. J'ai perdu quelques petits millièmes par-ci par-là. Si je freine encore très tôt là, je perds du temps. Je me méfie parce que j'ai l'impression qu'ils ont une bonne marge de progression au fur et à mesure aussi. Une 50 est tout juste le temps du meilleur pendant les essais. Allez, on y est. Tour en retrait propre. On va essayer de bien finir sur ce dernier virage. Très compliqué, encore une fois, on appuie. On a encore un gros tour chrono là, parce que j'améliore d'une seconde 9, c'est absolument énorme. Donc, je peux relâcher mon effort. Une voiture a priori fragile. Et je vais me rendre au stand. Alors qu'en haut, vous avez actuellement la session, donc avec mon tour précédent, avec le temps, c'est instantané, donc je trouve ça vraiment énorme. Ça permet de savoir où on en est. S'appliquer au fur et à mesure du tour et pas attendre à chaque fois les secteurs pour savoir où on en est tout simplement. Donc là, je vais rentrer au stand. Et je pense que c'est vrai que je leur ai mis 3 secondes. Hein. Donc c'est vrai que c'est encore une marge assez phénoménale. Voilà la fin de la session. Qu'est-ce que ça dit? Ah, j'ai eu peur. Pole position donc pour moi. Donc encore une fois, l'IA encore un tout petit peu trop basse. Hein. Donc on va augmenter de 10% et monter à 80 pour la prochaine course. Sans faute. Alors j'y pense. Quand on réglera le calendrier. Alors que tout simplement, 1, 2, 3, 5 premiers, il y a 5 Marek. Et où est la première Audi? Si on en a une. 17e, 15e. Ouais, dommage. Encore une fois, problématique. Qui est si peu de voitures du Mans. Alors, départ lancé. On met un peu l'extérieur. Ça a failli profiter de mon adversaire. J'ai oublié que la voiture était différente avec le plein d'essence. Derrière, il se montre insistant.
Ouf. Petite erreur de ma part là, dans ce petit derrière. Je sais pas où il est. J'ai l'impression qu'il est... Ah, il est à l'intérieur. Hein. Pour l'instant, ça suit bien. Une petite erreur aussi là. C'est vrai qu'en début de course, c'est des voitures qui ne sont pas du tout les mêmes. Et faut, par rapport au qualif, il faut vraiment se méfier. Couper mon freinage en plus là. Il faut vraiment se méfier, la voiture qui est vraiment différente avec un feeling assez spécial. Hein. Les points de freinage sont les mêmes, mais après en virage, ça ballotte énormément. C'est le fait, je pense, qu'il y ait plein d'essence dans la voiture. Me faire ressentir ça. Pas de commissaire dans le jeu de cas. C'est un peu large là. À prendre le large sur les tours suivants. Un peu plus de monde. Le freinage ici, on ne peut pas trouver vraiment quel était le réel point de freinage. Hop, bougez pas, petit problème avec le PC. Tout est bon. On va augmenter bien à 80 pour la prochaine course. Et là, ils sont en train de... On s'éloigne, bon, 3 secondes ça va encore, hein, c'est pas non plus. C'est vrai que je fais des petites fautes. Dès que j'en fais pas, ils ont tendance à disparaître rapidement. Il y a plus de secondes par tour. Donc là, il est à 3-5 derrière moi. Ouais. On a déjà parcouru 3 tours, c'est vrai que j'y colle une seconde par tour. Donc, on va kiffer ça et on va essayer donc cette fameuse IA 80. Celle-ci me semble un peu moins stupide déjà. J'en ai pas vu un pour l'instant vraiment se mettre au tard. Hein. Alors qu'on voit derrière que trois de mes adversaires se battent et qu'après j'ai l'impression que le monde est très loin. On a
5 secondes à la fin du tour. Ça commence à être costaud. C'est jamais, hein, je peux faire une erreur. Certes, c'est pas un circuit comme Monaco. Il y a une marge d'erreur un peu plus costaud. Maintenant, vous voyez hein, les trajectoires qui servent absolument à rien, parce que je respecte absolument pas les temps de freinage. Hein. Donc ça aussi, je vais essayer de le retirer pour la prochaine course. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir les garder pendant les essais, quand on connaît pas le circuit comme ça, pour pouvoir les retirer, voir si c'est possible, juste histoire d'apprendre un peu à quel niveau freiner et tout ça, les bonnes trajectoires à prendre. Alors là, je vais me freiner pile au bon moment. Dommage. C'est bizarre, pourtant j'avais mis plus de pourcentage de tours. Là, je tourne 3 secondes plus vite que par tour, c'est assez énorme. C'est vrai que la carrière n'est pas non plus avec... Bon, peut-être que ça va évoluer après par la suite, cette carrière d'endurance, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas affaire à vraiment de réelles courses d'endurance, hein, puisque on nous propose toujours deux séances par Grand Prix. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on ait un peu plus quand même, une vraie course d'endurance. Hein. On va voir si par la suite ça va changer. Donc là, a priori, on nous propose à chaque fois 4 tours. Hein. Final race in the series. The pressure's on. We can do it. We've got the car, we've got the driver. Go out and win this one. Très agressif, il y a dessus dès le départ, là. Assez sympa. Beaucoup d'agressivité. Après moi, bien entendu, je me méfie du comportement de la voiture. Le pire, c'était avec le kart qui était absolument inconduisible pendant les premiers virages. On aurait dit une vraie sabonnette. Donc là, très souple hein, sur les commandes, avec la voiture qui n'est encore pas au point. Ce qui me permet déjà, même en ayant une conduite assez souple, de repousser mon premier adversaire à 1 seconde 6. Aïe, je suis sorti de la corde là.
pendant que ma balade se continue. Parlons un peu de ces 24 heures du Mans, donc. Au jour où vous verrez cette vidéo, ça fera une semaine et demie que les 24 heures donc, sont terminées. Et que Porsche a triomphé, mais voilà, mieux vaut tard que jamais hein, d'en parler. Parce que c'est vrai qu'on alterne avec Angel, lui avec sa saison sur F1 2014. Et donc, les 24 heures du Mans qui se sont terminées, magnifique victoire de Porsche, hein, donc, comme vous l'avez vu, ce que j'avais décrit sur la chaîne, hein, super, après seulement 2 années presque de développement et une seule participation aux 24 heures du Mans où ils ont échoué de peu. Parce que c'est vrai que la Porsche d'équipage dont Weber faisait partie a cassé à quelques heures de l'arrivée. Et donc ils auraient peut-être gagné dès leur retour aussi, mais la fiabilité en a décidé autrement. Et puis c'est vrai que cette année, magnifique, donc triplé aux qualifications, magnifique doublé à la course. Et puis super aussi le trio de jeunes talents qu'avait composé Porsche avec notamment Hülkenberg à l'intérieur, qui était vraiment phénoménal. Qui a fait vraiment une session nocturne superbe et donc qui nous a prouvé encore à tous qu'il méritait plus que d'être chez Force India. Et ça me ferait vraiment plaisir de le voir aux côtés de Vettel quand Raikkonen partira, mais c'est vrai que ça semble très compromis parce que je sens que Bottas tient plus la corde que Hülkenberg pour prétendre au baquet chez Ferrari pour remplacer Raikkonen. C'est bien dommage. Pour revenir aux 24 heures du Mans, franchement, cette année, ça a été phénoménal niveau 6 rythmes imposés par les voitures. Parce qu'on a tout simplement battu le record du tour depuis que les Hunaudières possèdent les deux chicanes. Donc ça fait un paquet de temps hein, quand même. Et puis il y a eu des voitures beaucoup plus puissantes aussi qui sont passées par là. Que ces nouveaux bolides avec ces tout petits moteurs finalement. Puisqu'on sait que la Porsche a un V4 et que l'Audi possède un moteur TDI hybride. Donc c'est vrai que c'est des tout petits moteurs. Et donc du coup, ils ont battu le record, hein, puisque il me semble que c'est pour Porsche pendant les qualifications, on est tombé à 3,16 il me semble, ou 3,15, ce qui est absolument énorme. Et en course, Audi a battu le record en 3,19, donc quel rythme, que Toyota n'a pas pu suivre, hein, tout simplement. Ils ont été largués du début jusqu'à la fin, ils ont pu rattraper le, bien entendu, à chaque fois le groupe avec les interventions de la voiture de sécurité. Mais grosse déception chez Toyota donc qui a vraiment fait une course un peu fantomatique, sans parler de Nissan aussi qui a dû mettre un budget absolument énorme dans la voiture pour pouvoir participer à ces 24 heures. Mais on sait, les 24 heures c'est vraiment une grosse expérience du Mans. Et Porsche l'avait hein, bien entendu, hein, puisque c'est 16 fois avant hein, et puis 17e fois ce coup-ci. Porsche qui connaît le Mans mieux que personne. Porsche ou Audi, hein, c'est vrai que certains ont dit c'est à peu près la même chose. Donc c'est vrai que Porsche et Audi ça appartient au même groupe. Mais on sent le poids, l'expérience des 24 heures. Et chose que Toyota et Nissan n'ont pas, hein, puisqu'on se rappelle que Toyota était venu quand même avec une GT1 absolument phénoménale. En 98, ça ne les avait pas empêchés de ne pas pouvoir gagner. Et c'est vrai que voilà, le Mans se gagne. Sans doute avec l'expérience. Donc magnifique victoire de Porsche. Bravo à Nico Hülkenberg encore une fois, hein, je le répète. Et tout ça, ça donne envie de faire du VEC. Donc les 24 heures du Mans, pour ma part, c'était hier. Donc, comme vous verrez, cette vidéo donc, sortira, c'est vrai, une semaine et demie après donc, son tournage. Tournage aussi rapide, hein, voilà, hein, comme vous le savez, parce que voilà, ça donne envie de faire du VEC. Même si on n'a pas une licence phénoménale dans Project Cars, qui a plus de licence dans Forza, mais Project Cars se rapproche plus de la réalité. Même si c'est vrai que là, on a affaire quand même à des courses relativement courtes. J'espère que ça va changer au fur et à mesure du jeu, avec de l'expérience en plus. Vous savez, se couche et ça devient de plus en plus compliqué pour les temps de freinage. Voilà, encore une fois, 8 secondes avec la voiture de derrière. Et
Et quand le soleil s'en va comme ça, là, d'un moment à l'autre, on a la visibilité qui s'estompe. Et c'est relativement, en une fraction de seconde, très dur. On imagine ce que doivent ressentir les pilotes de F1 quand ils sortent du tunnel, hein, cette luminosité éclatante. Là, je suis en mode Hamilton, Vettel, autodestruction. On va augmenter la difficulté et on va voir ce que ça va donner après. Hein. Avec ces consoles nouvelle génération sont phénoménales à ce niveau-là, notamment le jeu de lumière, hein, c'est exceptionnel. 360 ne faisait pas ça. Je parle de la 360 parce que c'est... j'avais une 360 avant, hein. Je vais pas vous parler de la PS3. C'est vrai que j'ai vu l'autre jour un super comparatif à 4 écrans séparés. Avec Assetto Corsa, avec Project Cars, avec Assetto Corsa, Project Cars, Forza 5 et GT6. C'est vrai que le pauvre GT6, il a du mal à tenir la comparaison. Il est très vieillissant. Et on a hâte de voir ce qu'il va donner, donc je pense GT7 sur PS4. Même si on n'a pas trop d'infos pour le moment. Mais il faut un grand jet de voiture à la PlayStation, Sony n'a plus le choix. C'est vrai que Forza a lancé son... Le fleuron hein, pour Microsoft, hein, des jeux de voiture, alors c'est déjà deux épisodes, hein, puisqu'on a la version simulation et la version arcade donc, qui sont sortis quasiment à presque un an d'intervalle, alors que PlayStation, eux, n'ont eu qu'un Drive Club assez décevant, on va dire. Mais les gamers peuvent se réjouir de ce projet de Cars. En attendant, GT7. Donc, et dans ce magnifique comparatif, on voit que Forza 5 est vraiment au-dessus du lot. Pour l'instant, ça retranscrit un peu ce que j'avais dit dans ma vidéo comparative. Après, le gameplay est certes bien meilleur sur Project Cars. Pas photo là-dessus. En plus de plaisir, disons, parce que c'est plus compliqué. On a un meilleur feeling à la manette et dès qu'on a en main le jeu, alors c'est vrai que comme je l'ai répété plusieurs fois, il faudra du temps pour vous faire l'idée de piloter Project Cars, une voiture, mais une fois qu'on l'a en main, comme la Marek par exemple, là c'est vrai que c'est assez jouissif. Voilà, donc sixième tour a priori, donc la difficulté, donc la longueur pardon, qui était un tout petit peu plus longue. Sur cette deuxième manche, on va continuer. Donc je viens de remporter les deux courses à Brno, donc. Et donc, champion de cette catégorie. Et donc, le championnat qui est déjà a priori terminé. Et on va retourner au tableau carrière pour voir où on en est. Et qu'est-ce qu'on va nous proposer pour la suite des événements ? Vous avez un nouveau message. Encore, on va aller voir ce qu'il nous propose. Nous souhaitons vous inviter à participer à l'événement Vintage F1 pour le compte de Aria Saint-Sport. Comment le 24
Ce serait fantastique, volant pour notre équipe. Un très bon travail. Ok, bon, une Lotus. Ça va être rigolo, vous allez voir à quel point ça patine. Calendrier, donc a priori, on va nous proposer de faire de la voiture de collection. Voilà. Donc, et après, donc ça repartirait quand cette histoire? On a encore de la Lotus ici. Masters LMP1 américain. Donc c'est possible que ça reprenne à partir de là. Donc voilà, oui, passez, vous voyez en bas, hein, passez à l'événement suivant. Là, ça sera donc a priori le championnat du monde LMP1 et les essais. Bon, on va aller voir ce que ça donne ce championnat Lotus années 67. Ça peut être sympa. Sur le circuit de Catalogne, donc. Puisqu'on en a plusieurs, on en a sur le Mazda Raceway. Bon, on va garder comme ça parce que je sais pas ce que ça va donner tout ça. Allez, c'est parti. C'est une voiture à la tenue de route assez dingue. Alors, j'ai rien touché. Qu'a priori, je pense que l'angle du bras de suspension, l'angle de direction, il doit être par là. Hein. Force feedback, à mon avis, il doit être par là. Faut que je me renseigne là-dessus. Contrôle de motricité. Ok, on va rien changer. Allez, on va y aller. Ah, bah, ils sortent tous en même temps, comme d'hab. Ils manquent cruellement de monde hein, dans les stands. Alors, je sais pas, mais la mise à jour, elle a pas été faite. C'est bizarre quand même. Peut-être qu'elle sortira plus tard sur console parce qu'a priori, ils avaient dit que les stands allaient être un peu peuplés. Ouh là 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 là. Du calme, du calme. Ça me rate pas. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Surtout là où les pneus sont frais en plus. Je l'avais pas vu, j'avais oublié. L'un des tonnants, est-ce qu'il y en a qui se tue avec ça? Oh là là, mais ça, oui, là, non, il est pas là. Sa bonnette. C'est qu'on a tendance, comme je vous le disais tout à l'heure, à vouloir exactement faire comme avec la voiture du monde, par exemple. Quand vous changez de véhicule et c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc vous voyez le. Alors là, je suis sur des œufs, j'ose même plus parler tellement je suis concentré. Waouh, comment ça va permettre de chauffer les pneus? Voilà, impeccable. Ils sont en température comme ça. Chauffer rapidement, rien de mieux. Petit travers. Voilà. Ah, c'est quelque chose. Hein. Faut le voir pour le croire.
surtout sur les virages en appui. Je pense qu'il va me falloir un peu plus de motricité parce que là je vais pas m'en sortir à la manette. Ces vieilles voitures sont trop inconduisibles. Oui, t'as rêvé, t'as mis 200 mètres, t'as rêvé. Donc là, pareil, ça brasse pas, c'est étonnant. Je crois que ce championnat va vite être abandonné. Oula, mais là ça braque même pas. Quelle difficulté ces vieilles F1, mais c'est un truc de fou. Hein. Ça se tue. Hein. Je sais pas si avec un volant c'est mieux. Je vous dirai ça parce que je vais partir en vacances sur Grenoble retrouver mon Angel préféré. Et donc du coup je vous dirai si. La différence entre le volant et la manette sur ce genre de voiture, bon, et c'est pas la peine. Je me suis si bien amusé depuis le début de la vidéo que j'ai pas envie de m'énerver pour finir. Donc voilà, c'est bon, j'ai vu, c'est gentil de m'avoir invité, mais merci, mais non merci. Donc on va lancer l'introduction donc de ce championnat du monde hein, ce coup-ci. Ensemble et ça sera donc pour cette prochaine vidéo puisque là ça commence à faire beaucoup et donc on va se retrouver la prochaine fois donc avec le championnat du monde LMP1. On va regarder le calendrier donc c'est pas grave. Y donc passer à l'événement. Voilà, championnat du monde d'endurance donc ça sera donc la prochaine étape. J'augmente la difficulté donc. Et a priori, 30 minutes, on va mettre à 20, hein. Autant que ça soit à 70%, avec encore un tout petit peu plus de temps. Vous l'avez vu, les minutes en bas, donc 20 minutes jusqu'à 30 minutes. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne puisse pas faire plus, finalement. Un peu comme l'idée de F1, avec la possibilité de faire un long week-end à 100%. Donc. Certains d'entre vous ont le courage de le faire, et je les félicite, amis youtubeurs. Déjà que quand on fait 50%, c'est très long, la concentration, faut la tenir jusqu'au bout. C'est pas évident, Angel le fait, et je le félicite pour ça. Donc, minutes de temps d'essai donc. Et qu'est-ce qu'on a comme voiture? On a toujours une Audi, toujours pareil hein. Il n'y aura qu'une seule petite Audi. Ok donc ben voilà, bon ben écoutez, je vais vous dire à très vite donc pour donc la suite donc eh bien tout simplement de cette saison sur Project Cars. Donc fini maintenant le championnat européen, on s'attaque vraiment au gros morceau maintenant, ce sera le championnat du monde donc j'espère avec des courses un peu plus longues. La difficulté est augmentée donc ça semble palpitant pour la suite. Donc moi je vous dis donc à très vite donc dans 2 semaines donc pour une nouvelle vidéo. En attendant, allez salut à tous.